Bonsoir tout le monde, bienvenue à Manchester, nous sommes à l'Etihad Stadium. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Place à ce match de phase de groupe à suivre ensemble. Manchester City contre Porto. Pour espérer. Aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus. Régulier possible pendant les phases de groupe. C'est De Bruyne avec le ballon. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Evan Nilsson. Le ballon pour Mehdi. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et transmission coupée par Ruben Dias. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de ça. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Ouais, le pressing est efficace là. Ouais, il dépose l'adversaire là. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Allez, bien frappé ce corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Oui, le tir. Et le gardien fait le nécessaire. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est un corner bien joué, bien frappé.
Et le gardien capte le ballon sur ce corner pas évident à négocier. Intercepté, City perd la possession. Il y a des solutions pour Kevin De Bruyne. Le ballon vers Riyad Mahrez. Le centre qui est contré. Marcano. Un bon pressing, ballon récupéré. Mateus, le ballon pour Mehdi. Et oui, le tir à la détente d'Ederson pour repousser ce ballon. Le corner bien tiré. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Oui, la frappe. Et oui, le plongeon d'Ederson. Corner. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Attention pour mener au score peut-être. Ah, c'est raté, dommage. Attention, l'enthousiasme, les occasions nombreuses, on ne doit pas se transformer en frustration. Il faut cicatriser l'échec, avaler la déception pour pouvoir prendre l'avantage. Ouais, peut-être que celle-ci c'est la bonne. Ouais, bonne intervention du gardien. Rodri. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Allez, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Ballon dangereux en profondeur. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Avec Gundogan. Ah, il peut frapper la Gundogan. Très bonne parade du gardien, oui. Sacre ambiance avec le public qui vibre avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Attention le gardien, il est pressé. Et là c'est une excellente intervention sur ce ballon dangereux. Et voilà un arrêt qui vient rattraper un beau cadeau offert sur la précédente intervention. Au final, plus de peur que de mal. Le ballon vers Riyad Mahrez. Ballon vers Haaland. En plein sur le gardien qui s'en empare. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Un face à face à négocier. Goal, 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 goal! Et quelle surprise! Ce but contre le cours du jeu, c'est pas forcément mérité, mais quel réalisme, quelle audace! La maîtrise, le contrôle du jeu y était, mais ce but change la donne! Il faut continuer à proposer de la créativité! Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps aussi. Erling Haaland qui est vraiment bien présent dans cette rencontre. Une belle performance de la star norvégienne. Ce but juste avant la mi-temps a permis de donner l'avantage à son équipe et de prendre beaucoup de positivité en vue de la seconde période.
Et c'est le début de ce deuxième acte et toujours un but d'écart, un but à remonter pour le FC Porto. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Le corner pour les Dragons et l'occasion d'égaliser sans doute. C'est un changement pour Manchester City. Le corner. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Ah, le contre est possible. Ah, la défense peine à revenir. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Sous la pression, et donc le ballon finit par sortir. Ah, c'est bien arbitré, ça. Il y avait une grosse faute au départ, et donc carton jaune. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Et ce duel remporté par Rodri. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Récupération du ballon. Les stats de possession ne semblent pas trop en faveur de Manchester City, mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans avoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. Le ballon dans la profondeur. Attention, il y a danger là. Oh, le but, le ballon relâché, et c'est bien suivi derrière pour le mettre au fond des filets. Qu'est-ce que c'est ingrat d'être dans les cages. Moi, je n'aurais jamais pu être gardien. À cause des actions comme ça, tu fais l'arrêt, mais tu contrôles mal le ballon. Derrière, c'est le but. C'est terrible. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Number 16, Rodri, coming onto the pitch. Number 4, Calvin Phillips. Interception du ballon, donc. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Et il y a un contre possible à jouer là. Dans le couloir, Riyad Mahrez, il a du champ. Le centre de Mahrez. Et c'est renvoyé par la défense. Avec Gundogan. Pour prendre l'avantage peut-être. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. L'engagement donné par Porto, il faut réagir après ce but concédé. Face à face avec le gardien. À quel geste, la transmission est coupée in extremis. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ah, non, il revient à la charge et il finit par gagner ce duel.
passer. Ouh, Manchester City, le but du break pour les Sky Blues. Le secret de ce bombazo, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Ça joue avec De Bruyne. Le ballon de De Bruyne. Ah, Porto qui perd le ballon là. Ballon vers Haaland. Ballon facile, évidemment, c'est pour le gardien. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Ah, et la jolie passe dans la profondeur. Walker. Bonne intervention, la passe est interceptée. Pepe. Et un ballon dans la profondeur. C'est bien donné dans la course. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ouais, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Attention à la frappe. Oiderson. Un bon timing, très bonne intervention dans les pieds. C'est toujours risqué de se jeter comme ça, mais là c'était parfait. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Ah, le bon geste défensif, il fallait intervenir. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Mateusz Uribe. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Haaland qui reçoit le ballon. Olé, belle technique là. Un centre bien détourné par la défense. Et ça y est, le coup de sifflet final. Victoire de Manchester City dans cette rencontre. Un succès assez net. Ces deux buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur prestation aujourd'hui.